Voilà un peu de force. Bah, hier, le premier était trop haut. Voilà. J'ai fait cette vidéo-là. C'est pour m'adresser à Vital. C'est pour répondre à Vital. Voilà. Donc, taguez Vital. Taguez Vital. Voilà, partagez le direct. Ceux qui sont les amis de Vital. Ce sont les amis de Vital. Taguez Vital. Voilà. Taguez Vital. Bah, toi, Vital, tu as les foutaises. Toi, Vital, tu as les tonnières, tu as les bad science même. Ouais, Didi. Moi, tu es de bonheur. Hein. Toi, tu dis que tu as du bonheur, moi là. Toi, tu es bonheur, moi là, quoi. Toi, tu es bonheur, quelqu'un. Ça veut dire que quand Yodé et Siro, ils ont chanté là, que tu souris et souris, tu ris et ris, mais pourtant, tu es mon sorcier là. C'est quoi, toi, toi, Vital là? Toi, tu es une petite sorcière de moi là même. Ouais. Toi, Vital, toi, tu es une petite sorcière de Mola. Ouais. C'est-à-dire que toi-même, tu es Mola dans le mouvement, tu es Mola dans le game. Mais tu n'es pas prêt pour lui. Même. Ouais. Bah, là, c'est moi, Thierry Zo. Bon. C'est moi, Thierry Zo. C'est moi qui fais la sécurité de Mola. Quand il fait ces événements-là, c'est moi qui sécurise le mouvement. Et puis, il y a des consignes. Il y a des consignes. Quand il fait ça, il te laisse des consignes. Et toi, Vital, là, c'est pas aujourd'hui, toi, tu presses. C'est pas aujourd'hui toi Vital là, toi tu es à 10. C'est pas aujourd'hui tu presses. Il y a longtemps là, toi tu bouges beaucoup. Voilà, il y a longtemps tu es si saine. Il y a longtemps là, tu es confirmé. Mais Vital, moi Thierry Zo était bonnant. Je te respecte. Et le respect là c'est mutuel. Par rapport à nos connaissances, par rapport à tous nos frères seigneurs, le respect est mutuel. Mais toi tu as montré que toi ton respect là, c'est foutaise. Toi ton respect là, c'est sorcellerie. Toi ton respect là, c'est n'importe quoi. Voilà. Ben moi, les consignes que nous on a reçues, les consignes que moi j'ai reçues avant de communiquer ça à mes gars, personne ne doit monter à part l'artiste et ses danseurs sur le podium. C'est les consignes qu'on a données. Et c'est les consignes que dans tous les événements de Mola, du boss Mola, dans tous les événements, dans tous les concerts, dans tous les spectacles, c'est les consignes que là, je donne à tous mes gars que je poste partout. Tu comprends? Ce que tu fais là, c'est pas bien. Et quand il te regarde là, quand il regarde le moment, il pense que toi, il y a longtemps, toi, tu es contre le boss Mola. Ouais, il y a longtemps que tu as le foutaise. Tu as beaucoup de choses en cœur. Par exemple, écoutez ta vidéo à la fin. Quand lui, toi, tu joues, lui, il ne te paye pas. Mais c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu n'as pas encore tout dit. Hein. Mais ce que tu as dit là même là, c'est foutaise. Ce que tu as dit là même là. Non, ça ne montre pas que. Ça ne montre pas que tu étais un moula dans la fraternité et puis tu l'appelais ton vieux père. Ouais, mon papa, c'est comment qu'on est. Si c'est ton papa là, tu ne te comportes pas comme ton papa. Tu ne peux pas te comporter comme ton papa. Tu ne peux pas venir exposer ton papa. Ben, nous tous l'on sait. Moi, il sait que ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. C'est des conneries. Ce qu'il est en train de raconter, c'est des conneries vitales. C'est des conneries, des vraies conneries qu'il est en train de raconter. Voilà, ce qui s'est passé là. La vidéo que tu as postée là, tout à l'heure. La vidéo que tu as postée, c'est moi, on voit dedans. C'est moi, je suis en rouge là. Tout le monde me reconnaît. Et tous ceux qui sont dans le mouvement de showbiz, eux, ils savent que quand on organise ce mouvement-là, c'est Thierry Zo qui vient coordonner le mouvement. Donc, tu n'as pas t'arrêter pour dire non, la sécurité, les gros bras sont venus frapper ton manager, les gros bras sont comportés mal avec ton manager, ils ont frappé, quoi. C'est foutaise, tu mens. Eh, hey, PC, tu mens. PC, c'est foutaise. C'est foutaise. Ça, là, c'est quand tu veux saboter le boss. C'est n'importe quoi ce qu'il y a rien dit là. Toi, tu es mal placé pour raconter des conneries, quoi, Vital. Tu es mal placé pour raconter des conneries, quoi. À combien, à juge, combien, hein? Le 11, l'enfer, le mouvement a fini. Voilà. Toi, tu racontes. Bon, attends, Yeri. Ce qui s'est passé réellement, les gars. Il n'y a même pas allé trop en djabou même. On a donné des consignes. Aucun manager ne monte sur scène. C'est les artistes seulement qui montent avec les danseurs. C'est ce qui s'est passé. Le manager de Vital. Il est monté sur la scène. Manager de Vital, là, quand il est monté sur la scène, c'est Mola même, le boss Mola même, là, qui a eu le coup d'œil. Lui-même, il est monté, il allait trouver le manager. Il dit, ah, frère, toi-même, tu sais qu'on ne monte pas sur la scène. Toi-même, tu sais qu'on ne monte pas sur la scène pour filmer. Tu sais ça.
Et le manager, il a écouté Mola, hein. Il a écouté le boss, il est descendu doucement, il allait se mettre où les journalistes sont. Parce que le truc là, il y a toutes les chaînes qui filmaient. Il y avait beaucoup de chaînes, ça serait de transmettre à la télévision. Toutes les chaînes étaient là, avec les caméras de gauche à droite. Et puis il y a des privés aussi qui étaient là. Il y a des gars qui faisaient des directs. Mais vous connaissez qu'on ne peut pas occuper la scène, on peut pas occuper la scène avec des portables. On ne peut pas occuper la scène comment? C'est les danseurs et l'artiste qui occupent la scène et les musiciens. Ce n'est pas les managers qui font ça, ce n'est pas le rôle du manager. Donc le manager là, il a compris et puis il allait se mettre dehors. Vital, toi tu racontes que quoi? Tu racontes que non, il l'a appelé pour te donner tes trucs jaunes que tu mettais, tes foulards là. Foulards là, il y a longtemps tu as porté ça. Hein? Avant que les gos là ne montent, là, les gos qui ont dansé Makouka et toi là, elles sont montées là. Tu as attaché foulard là, elles. Tu as pris foulard que ton manager t'a donné là, tu as attaché ça à elles. Sinon là, ce n'est pas pendant que ton manager est monté là pour te donner foulard là et puis il y a eu Oyas. Tu comprends? C'est pas là, il y a eu Oyas. Voilà. Ton manager, il est descendu. Tu as commencé à faire le. Tu as commencé à soulever la foule. Comme tu sais bien le faire. Hein? Les gens ont commencé à bien s'amuser avec toi. Ils montent, ils courent. Ils courent pour monter sur la scène. Hein, Vital? Ils courent pour monter sur la scène. C'est là mon élément jaune l'a interpellé pour lui dire non, champion, tu peux pas monter sur la scène. Il a fait quoi? C'est lui qui a saisi l'école du gars en jaune. C'est lui qui a commencé. Et donc, quand il a saisi le col du gars, le gars ne peut pas laisser quoi. Le gars a saisi son rein pour l'enlever sur la scène. C'est là, moi, je suis monté. Et quand je suis monté, il a fait quoi? Il a pris ton manager. Vital, dis la vérité aux gens. Même si tu as envie de saluer le nom du boss Mola, dis la vérité aux gens. Ne fais pas les directs pour dire de n'importe quoi. Ton manager, là, c'est moi, Thierry Zoï. Il a fait sa couverture. Moi, je suis monté, là. Il a pris ton manager. Il est mis à côté. Tu comprends? Il est mis à côté. Ton danseur a ces deux là. Lui aussi, il a commencé à faire les Oyas. C'est moi qui suis allé prendre ton danseur pour aller le mettre là-bas. Avant de venir me faire descendre ton manager. Et ton manager est encadré. Il est encadré par qui? Personne ne l'a porté. Mais ton manager, il n'a qu'à dire la vérité. Personne n'a porté main à ton manager. Coup de poing, papa, quelqu'un t'a donné coup de poing à ton manager. Parce que moi, j'ai sécurisé ton manager quand il a fait descendre. T'en prie. Moi, j'ai né ton manager même dans la main des policiers. T'en prie. Donc on va venir raconter des conneries que Mora a envoyé les gros bras, c'est quoi, quoi, c'est les gros bras. Non, hé, quand c'est quoi là, tu te fous de moi. Puis c'est, quand c'est quoi là, tu penses, c'est moi, c'est mon maïma, tu es gâté. Quand c'est quoi là, c'est mon gré, tu es en train de nier. Moi, je ne suis pas le Louis Saint, Vital. Didi, je ne suis pas le Louis Saint. La manière qu'on se voit, on se bougnant. On n'est qu'à continuer à se bougnant. Moi, je ne gâte pas ton gré, il ne faut pas chercher à gâter mon gré. C'est comme si la sécurité a failli. La sécurité n'a pas failli. C'est ton manager qui a voulu faillir au mouvement, au spectacle de Mola. Un truc qui est retransmis. Hein? Les gens regardent ça de partout dans le monde entier. C'est-à-dire, lui va venir sauter 6 scènes. Lui va venir sauter 6 scènes. Faire ses grimaces 6 scènes. Hein? C'est toi qui dois faire ça ou bien c'est lui qui doit faire ça. On le fait sortir. T'es danseur, tu dis non que toi t'es danseur là. Tes danseurs ont été frappés par le frère du boss Mola. Tu as demandé à tes danseurs ce qu'ils lui ont dit. Tu as demandé à tes danseurs qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis qui a porté main premier? Vous êtes deux, vous pensez que le Moro, comme il est tus, donc il n'a pas Fanga. C'est un danseur qui a porté main au gars premier. Donc quand ils ont porté main au gars premier là, il n'a pas guéré. Il n'a pas guéré. C'est un garçon, il est en tas. Tu as venu raconter tes conneries, tu as venu raconter ta vie. Ouais, toi tu danses cadeau, c'est coin coin. Moula ne te paye pas, c'est coin coin. Il paye d'autres personnes. Hé, hey, Vital, il faut boire ton mince. Il faut boire ton mince. Tu es vital ou bien tu n'es pas vital. Tu es la mère ou bien tu n'es pas la mère. Tu te racontes quoi même? Quelqu'un qui va t'inviter pour aller prester dans tout le mouvement. Combien d'années il t'invite de ne pas dire quoi et puis qui est derrière lui. Arrête de nous mentir. Arrête de nous raconter n'importe quoi. Arrête de nous parler, de nous raconter ta vie. Voyez, tu as quelques abonnés, tu es en tas. Tu as raconté tes conneries. Tu as raconté tes conneries sur qui? C'est pas si Mola, tu as raconté tes conneries. Hein? Je suis désolé, c'est pas si Mola tu as raconté des conneries. Il faut raconter des conneries avec ton petit gbaïn là. Hein? Ton petit gbaïn de plaisantin. C'est ton manager. C'est lui qui est venu foutre le bordel. C'est ton manager qui est venu foutre le bordel. Toi, tu te retires déprimé. Toi, Vital, tu te retires déprimé aujourd'hui. Quoi. Ton manager là, il faut bien lui demander. Hein? Ton manager, il faut bien lui demander. Voilà, personne ne lui a porté main. Personne ne lui a porté main. Tu as venu faire des vidéos à la con pour raconter que non, ils ont frappé ton manager, ils ont agressé ton truc, ils ont coupé. Si tu as eu un bafou, toi tu as pressé combien de minutes?
Toi-même, tu disais quoi à chose à, comment il s'appelle même? Tu disais quoi à Molière? Tu as parlé au micro. Ah, Molière, il sait que c'est ton temps, mais il est appuyé. Il a appuyé de ton temps, Molière, c'est mon frère. Tu disais ça à Molière, non? Donc, toi, tu sais que tu es en train d'abuser du temps de Molière. Pendant que tu es en train d'occuper toute la scène. Toi, on ne te paye pas là. Toi, tu es en train d'occuper toute la scène. Et toi, tu es en train de danser quand pour 10 millions. Hein? Ceux qu'on paye là, ils vont attendre. C'est ça, non? Tu racontes, toi-même, tu te contredis dans tes dits. Hein, Vital? Faut pas faire ça. Même si tu as envie de nuire à Mola. Tu penses que tu as quelque chose en cœur contre lui. Et puis tu marches à lui. Tu penses que tu as quelque chose en cœur contre Mola. Et puis tu marches à lui. Tu sais, toi tu es une petite sorcière. Hein, Vital, toi tu es une petite sorcière. Moi je te dis ça. Moi je te dis ça aujourd'hui. Toi tu es une petite sorcière. Par exemple, comportement ça là, tu ne peux pas avoir ça. Les gars, partagez ça. Hein, partagez ça. Ça va arriver quand c'est Vital là-bas. Il veut qu'un gars vienne, il a tagué et puis on fait ça directement. Toi tu as les foutaises. On a coordonné la sécurité de tous les concerts. Il n'y a pas eu de bafou, il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire Oya si la piste là-bas. Ton manager a son esprit de Nyamoro des sciences là. Il est venu se mettre là-bas pour gâter le mouvement. Tu as joué plus de 10 minutes, Vital. Tu as presté plus de 10 minutes. 10 minutes comptées avant que ton gars là, il va monter pour aller faire le truc. Donc, si ton manager est venu s'aimer le trou et on l'a fait descendre, moi, il a sécurisé ton manager pour le faire descendre. Pour payer, moi et toi là, il y a respect. Il a sécurisé ton moro pour le faire descendre. Quand il fait descendre ton moro là, hein? Il est venu gâter il veut gâter les primules. On fait quoi? On coupe la tisse. Ça c'est dans la logique. Et toi-même tu as arrêté là, tu es descendu, tu descends. Bon, toi ton manager, on a frappé ton manager et puis, tu sais pas où ton manager est parti. Toi tu as venu demander à dépresser. Tu as venu voir Soumangourou pour dire qu'il n'a pas mis ton morceau, tu as pressé. Ah Vital, on va te foutre des gens, hein? On va te foutre des gens. Et tu as quelque chose dans le cœur contre Mola là. Hein? Il faut lui dire. Toi, tu as appelé qui? Tu as appelé qui pour parler à Mola? Tu as appelé qui pour parler au boss? Tu n'as pas appelé qui pour parler au boss? Tu es là, tu as te mettre dans ta science pour dire des conneries sur le boss. Tu as dit des conneries sur le boss. C'est la première fois que Mola organise ce genre de spectacle. C'est la première fois que Mola organise ce moment de spectacle là. C'est quoi vous êtes là? C'est quoi vous êtes? Tu as commencé à briller là. Tu as commencé à être en tas là. Tu vas pas rester dans ta cité là, quoi. Hein? Mais tu as commencé à gâter ton mouvement. Tu comptes sur qui même? Tu comptes ce qui? Il n'a qu'à te donner, il n'a qu'à te montrer porte de ses relations. Si tu as montré porte de ses relations là, ta sorcellerie que tu es en train de faire dans ton direct d'hier là, c'est ce que tu vas aller dire à ces relations là-bas. Ces relations là, tu vas aller gâter ça, Vital. Tu vas aller gâter ça. Parce que si Mola, tu respectes Mola, qui dit toi, tu l'appelles toujours le boss, c'est ton père. Qui te tape la poitrine pour dire que Mola, c'est ton père là. Qui te tape la poitrine pour dire que Mola, c'est ton père là. Tu vas pas venir faire direct. Direct, si Mola, tu peux pas faire direct. Tout le monde n'est qu'à faire direct sur ton papa. Tout le monde est qu'à traiter ton papa de tout ce qu'ils veulent. Mais toi là, cœur blanc, même si ils t'ont négligé, ils sont foutus de toi là. Tu vas descendre, tu vas prendre ton caisson, tu vas rentrer chez toi en piste. Quand tu es rentré chez toi en piste là, demain c'est un autre jour. Hein Vital, demain c'est un autre jour. Tu connais où Mola habite, tu connais le numéro de Mola, tu connais où tu as croisé Mola, tu allais trouver Mola et puis tu as lui dit. Et Mola, tel que moi je le connais Mola, il est trop généreux. Toi tu racontes des conneries, non, faut arrêter tes bas de chance là. Moi, tout le monde là, il ne connaît même pas les gens. Il ne connaît même pas les gens. Les gens là même ne le sous-tracent pas. Mais quand il les croise là, il voit les morts en façon diminuée là. Il compte Yass et puis il donne aux morts. Et il y a beaucoup d'hommes qui peuvent témoigner ça. Son cœur est trop blanc. Toi, tu as raconté que Mola ne te donne pas Dieu, Mola ne t'a jamais aidé. Mola ne fait pas ça, ne fait pas. Non, on ne fait pas les trucs. Hein. T'as compris, Vital? On ne fait pas les trucs. Hein. Il te dit ça, on ne fait pas les trucs. Hein. Donc, les gars, voyez le petit mouvement de Vital. Si ma page YouTube, y'a mis la vidéo, vous allez voir. C'est moi qui sécurisais tes mouvements, Vital. Tes danseurs, ton manager, tout ça là. C'est moi Thierry Zou, il est sécurisé. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné coup de poing à ton manager. Là. Ton manager est venu, c'est quoi? Il a enlevé sa carte pour dire qu'il est gomon. Quand il a enlevé sa carte pour dire qu'il est gomon, là. Et puis le gomon l'ont encerclé. Il voulait le faire descendre, le tirer pour partir. Là. Moi, il a dit quoi, gomon? Il est. Moi, il a montré sa carte. Que lui, le gomon comme vous. Ou bien, donc il est gommant comme vous là, vous devez être solidaire. Vous n'allez pas tirer vos camarades devant Djamana. Prenez-le doucement et puis sécurisez-le, mettez là-bas. Moi, je l'ai fait, moi, il l'a amené derrière les pupitres là, c'est moi, il l'a envoyé là-bas. Et puis, ils se sont expliqués. Mais comme le Djamana était Djamana sur lui, personne ne lui a donné coup de poing. Moi, il dit quoi? Ils n'ont qu'à le faire sortir en pro. Pour ne pas gâcher nos mouvements. Bah, lui aussi, il était trop excité. Il a fait quoi, Joffès? Toi, tu es en train de saluer le nom de Joffès aujourd'hui.
Aujourd'hui, toi, tu as sali le nom de Jophet. Jophet, tu mises tes sons. Jophet, tu joues tes sons en foutaise dans Babi là. Toi, tu as regardé Jophet. Et puis, tu as dit aujourd'hui, Jophet ne connaît pas tes morceaux. Ou bien, Jophet même, il veut mixer et puis il est lent. Eh, Vital, faut pas faire ça. Hein. Moi, je ne te connais pas quoi, PC. Moi, je ne te connais pas quoi, Didi. Voilà, je ne te connais pas quoi, Didi. Voilà, il te dit. Tu sais que Mola n'est pas te répondre. Va se rendre petit pour te répondre. Moi. Il va se rendre tous pour te répondre. Toi, tu es quelqu'un qu'on doit répondre. Moi, là, je te réponds à la place de Mola. Tu comprends? Maintenant, quand tu vas continuer à faire tes vidéos de cons, là, hein, pour commencer à saluer le nom de Mola, là, tu vas voir les docs qui est fait sortir. T'as compris? Tu vas voir les docs qui est fait sortir. Ça va pas chez toi, bien quoi. Ça va pas chez toi. Oh, la sécurité. Toi, ton gros bras, là, ton truc, là, ton manager. Si moi mon boyen est tombé sur lui, là, lui il peut marcher par là à la maison. Tu as raconté que non, les Safarel est en train de danser. Et puis ses gros bras, son manager était sur scène. Il te dit quelque chose. Pendant que Safarel et son gros bras est en train de danser là, on est en train de coordonner quelque chose. Tu comprends? Il y avait un Woyas à la porte sud là-bas. Il a pris mon dispositif. Il a dit tout le monde est qu'à descendre, me suivre, aller dans le mouvement d'Abou là. Tu comprends? Il y avait un Woyas. Donc on est parti. Et c'est pas aujourd'hui. Et puis les morts de Safarel là, moi c'est mes morts. Ils parlent, c'est mes morts. Donc ça veut dire que la manière que moi je béou là, c'est quand eux font la clôture à ma place. Tu comprends? Sinon c'est même pas affaire de Yoyi même. C'est pas eux, c'est même Boyi, c'est famille. C'est Zigaï positif. Tu comprends? Voilà, c'est pas comme si on avait peur de eux, quoi. Et maintenant si tu vois un portable, quand tu vois un portable, si la scène en train de filmer là, c'est le portable du M Group. C'est le seul portable habilité à filmer derrière la scène. Tu peux monter sur la scène pour filmer. Vous voyez, c'est le direct du M Group. T'as compris? Donc ne dis pas ce que tu ne connais pas. Ne raconte pas que tu as vu des gars avec leur portable. Tu connais le portable de Tabouki? Tu connais le portable de Tabouki? C'est le portable du direct du M Group. C'est ce portable-là seul qui a habilité à monter sur scène. Tu comprends, Vital? Donc si tu as quelque chose en cœur contre Mola, contre le boss Mola, tu as quelque chose en cœur contre lui, tu marches à lui, tu souris à lui, tu ris à lui, tu t'en t'assois dans. C'est vous là même, quand s'assoit vous dans le bar même là, on doit prendre un verre pour sortir toujours. Même quand il reste un peu là, on veste et puis on s'en ça. Par exemple, toi-même, tu causes à lui, toi tu dis t'en t'assois à lui, t'en t'assois à lui, et tu reconnais parfois que il t'a amené aussi devant, dans le chéquier musical là, lui, Mola aussi a fait quelque chose pour toi. Hein, Vital, Mola a fait quelque chose pour toi aussi. Hein, toi t'as arrêté là, t'as te mettre sur les réseaux sociaux, toi tu me connais. Tu m'as pas vu un Vital, tu m'as pas vu un Mola là-bas. Tu m'as vu un Mola là-bas ou pas? Tu m'as vu, toi tu me connais très bien. Tu es ma soeur de sang. Tu aurais pu me dire. Ou bien tu as m'appelé. Pour dire, je veux parler à Mola. Moi j'étais un Mola. C'est toi, tu sais qu'il était un Mola. Je suis un Mola partout. Quand il organise le mouvement, oh, il est tout. C'est moi, je suis là. Je suis rapproché directement à côté de lui. Tu comprends? Donc là, si tu veux parler à Mola, tu veux causer à Mola, tous ceux qui viennent là-bas là, et ils veulent parler à Mola, ils veulent causer à Mola là, c'est moi qui dois dire ok d'abord, moi ils vont causer à Mola. Toi tu t'es approché de moi, les autres que tu allais les voir là, c'est les barras, c'est eux qui sécurisent son mouvement. Quand vous commencez à rentrer dans la sorcellerie là, c'est quoi vous comportez, hein? Quand vous commencez à rentrer dans la sorcellerie là, c'est quoi vous comportez, hein? Ok Vital, faut continuer, hein? C'est toi qui sais demander pardon aux gens, non? Toi, c'est demander pardon aux gens, hein? Ton grésinli que tu es dedans là. Comme Mola aussi, il est un bon cœur. Ton pardon là, il va accepter ça. Sinon, là, dans quoi tu es dedans là? Mais c'est doucement, hein? Il faut utiliser ton mouvement. Dans Showbiz, tu es dedans là. Il y a le feu là-bas, hein? Où tu as la direction que tu es en train de prendre là. Il y a le feu là-bas, Vital. Il y a le feu là-bas. Quand tu causes avec ton papa, peu importe le. Les bas sciences que ton papa met sur toi là. Faut pas regarder le comportement des autres. Hein? Faut pas regarder le comportement des autres. Pour dire non, les autres se comportent comment, les autres se comportent comment. Avec toi. Moi, je me comporte comment avec toi. On fait pas ça. Hein? On fait pas ça. Ok, Apadra. On est ensemble fêté. Salutations à la mère SS, salutations à Diamant Noir, salutations à mon fils Ngou Kao. Salutations à mon groupe WhatsApp, salutations à mon fan club WhatsApp. Salutations à tous les gays de Côte d'Ivoire et la diaspora. Salutations au capitaine des gays de Côte d'Ivoire Zarapaoun, salutations au vieux loup de Bayota, salutations à Toumsi, salutations aux deux enfants Fabidja, salutations à mon fils Kare Obiang Foyte. On est ensemble les gars. Si tu as parlé encore Vital, si tu as fait sortir encore ta bouche contre Mola,
Hey, paye ça. Tu as couru pour laisser ça. Tambri, c'est Thierry Zou. Tu connais que ça chauffe pas. Que Dieu bénisse son ensemble fouetté.